Salut et bienvenue pour une nouvelle partie de Magic. Toujours sur mon deck vert de ramp. On est contre Jimae01. On n'oublie pas de dire bonjour en début de partie. Alors, donc on est vert contre vert. Full vert tous les deux. Ah, maître de guerre elfe. J'aimerais bien utiliser mes scalaires, mais j'ai pas grand chose en terrain, donc je sais pas si je vais devoir utiliser la résurgence du roulis tout de suite. Ça m'embêtera un peu. Bon, sachant que j'ai quand même mon passage merveilleux qui va me permettre de faire deux réplications en un tour. Ok. Donc, du vert qui pioche. Ah, vert et blanc, j'avais même pas fait attention au fait qu'il avait posé une plaine. Ok, donc on est sur du vert et blanc. Ok, alors on va poser tout simplement un terrain. On va faire venir le chariot. Donc là, clairement, ma stratégie, ça va être la multiplication des jetons de chat et de scalaire. Ah, j'aimerais bien choper un terrain là. Ce serait bien pour le tour suivant. Ah, la croissance de l'hydre. C'est quand même pratique ce truc là. Ah, j'hésite à le poser en tant que terrain. Pff, ouais, non. Il vaut mieux faire la croissance du roulis. La résurgence du roulis, pardon. Je crois. Bon, on va commencer déjà par ça. On va attaquer avec parce que, à la limite, je peux peut-être coller. On voit l'empot de serpent si jamais il met une seule créature en face. Il pourrait se dire qu'il abandonne celle-là. Oula, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Ah, ça c'est pas mal. Je vais pouvoir le buter. Espérant qu'il ait rien sous la main. Yes! Super. Alors ça, c'est plutôt cool. J'hésite encore niveau terrain. Que c'est vraiment un bon moment. Allez. Prochain tour, comme ça je peux. Répliquer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là, ah ouais, c'est l'équipement. Plusieurs trucs d'un coup. Est-ce que je le bute? Ce serait peut-être pas mal. Il a plus de magie, donc il n'a pas rien à faire. Ça, c'est réglé. Maintenant, essayons d'agir logiquement. Ah, ça m'embête quand même de ne plus avoir cette pierre qui me permet d'aller chercher un. Mais bon. Hop. Charge. On envoie. On réplique un scalaire supplémentaire.
Alors j'aurais dû mettre le piolet dessus. Bon, c'est pas grave. Et on refait un coup de photocopieuse. Hop. Et on va accrocher le piolet à... à mon scalaire de base. Hop. Bon, c'est pas trop mal. Donc, au tour suivant, je peux faire ma résurgence du roulis. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, ok. Et lui... ah ouais, ah, ça c'est un véhicule. Oh, et ben voilà une belle carte. Hop. Petite photocopie. Au passage, on a la colonie de Skelléa qui prend des marqueurs. Est-ce qu'on lui ajoute ou est-ce qu'on tue tout de suite? Avec le coup de bélier. Ah, ça demande réflexion quand même. Parce que lui, il est quand même à 6. Potentiellement, si je fais la croissance de l'hydre. Ah, il va quand même falloir 3-4 tours avant. Parce que les marqueurs du piolet, ils vont disparaître à la fin du tour. Bon, allez, on va surtout charger pour l'instant. Et d'ailleurs, au pire même, s'il me le bloque avec, je peux toujours utiliser ça. Oh non, non, allez, je m'en débarrasse. Comme ça, en plus, il pourra pas charger son véhicule. C'est ça, c'est un... ben non, c'est pas un véhicule d'ailleurs, puisqu'il est... qu'est-ce que je raconte? Il est sur le board. J'avais vu que ça parlait de pilotage. Bon, de toute façon, là j'ai 19 scalaires. 2 chats. Il suffit qu'il y en ait 17 qui passent. S'il en bloque 2, il y en a 17 qui passent et puis c'est gagné quoi. À coup sûr. À moins qu'il me sorte une ou deux créatures là. Mais bon, il est que deux cartes. Allez mec, qu'est-ce que t'as en main? Il a l'air de réfléchir à ce qu'il fait. Est-ce qu'il aura un truc pour lui filer le lien de vie? Ah, il attaque quand même. Bon, il doit faire le tout pour lui. De toute façon, il sait qu'il a perdu, je pense. C'est maintenant qu'on va voir s'il a un dernier truc dans sa botte. Je fais quand même le coup de photocopieuse. Pour le principe, on la sort ou pas? Allez. Hop. On charge le chariot. On fait la croissance. Allez, on est fou. Au pire, on bute le buffle. Et c'est parti. Bien joué mec. Et vous, merci d'avoir regardé. Et à plus.